Dans son rapport annuel, le ministère égyptien du commerce et de l'industrie a publié que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Égypte a dépassé les 11 milliards de dollars en 2017. Le rapport a tenu à confirmer que la Chine occupe toujours la première place dans la liste des pays desquels l'Égypte importe ses besoins des différents produits. Le volume d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Égypte a dépassé les 11 milliards de dollars en faveur de la Chine en 2017. L'Égypte, elle aussi, a augmenté ses exportations vers la Chine après qu'elle a ouvert ses marchés devant les produits égyptiens, notamment les oranges. L'Égypte importe de la Chine des différents produits, notamment des électroménagers, des textiles, le fer et acier, mais aussi les voitures et les produits de télécommunication. Tandis que la Chine importe notamment les produits agricoles de l'Égypte. Selon une étude faite par le ministère du Commerce, les Égyptiens préfèrent actuellement les produits chinois à leurs similaires fabriqués dans les autres pays occidentaux. Les produits chinois se caractérisent par la bonne qualité qui dépasse actuellement celle de leurs similaires européens et américains. En plus, leurs prix sont plus intéressants que les autres. La Chine possède beaucoup d'investissements en Égypte, notamment dans les domaines industriels, de l'habitat et de l'énergie. L'établissement d'autres zones industrielles chinoises en Égypte favorisera l'exportation des produits chinois vers les marchés africains, arabes et européens. Ces produits bénéficieront des avantages économiques comme l'Égypte jouit d'accords préférentiels avec l'Union européenne, les pays arabes et les pays africains. L'Égypte offre beaucoup de facilités aux produits importés de la Chine. Il n'y a pas de taxes particulières ni de barrières anti-dumping devant les importations chinoises. Le volume des investissements chinois en Égypte dépasse les 22 milliards de dollars. En établissant d'autres industries chinoises en Égypte, ces produits vont bénéficier des accords préférentiels qu'entreprend l'Égypte avec l'Union européenne et les pays arabes et africains. Il y a quelques années, les Égyptiens se précipitaient à obtenir les produits occidentaux. Aujourd'hui, ils préfèrent obtenir des produits chinois qui sont à la fois de très bonne qualité et à des prix abordables. Achraf Masoud, pour ce GTA français, Le Caire, Égypte.